En visite à Carmaux, des amis belges me ramenaient une drôle de plante. Sans chlorophylle, monstrueuse et sans nom. Bien sûr, je vais la multiplier. En attendant de l'identifier, je l'ai appelée cactus corail. Cette mammillaria, de culture délicate, est difficile à conserver. Elle ressemblerait à la candida, mais elle est plus petite et plus fragile. Les rebutias ont, au printemps, une floraison somptueuse. Malgré l'extrême variation de ces espèces, les sténocactus sont très intéressants par leur floraison printanière, très tôt, dès le mois de février. Le greffage de mamelons de roséocactus ou areocarpus reste une opération délicate qui ne réussit pas chaque fois. Quand toutes les données sont bonnes, on obtient une multiplication cellulaire. Les rejets apparaissent à côté du mamelon. Cette mammillaire est de culture délicate, sur ses propres racines et même greffée. Il existe des variations de l'espèce, à aiguillon sombre comme celle-ci ou à aiguillon jaune clair. La floraison restant toujours de couleur claire. Les Neoporteria ont toujours des fleurs somptueuse et très abondante. Le Neoporteria multiflora est très proche du Gyrocephala, mais celui-ci a des fleurs bien plus grandes. Le Vilcoxia viperina et une plante de culture facile, malgré ses racines napiformes. Ce qui est difficile chez cette espèce, c'est d'obtenir une floraison abondante et régulière chaque année. Côté floraison, cette plante est capricieuse. Côté floraison, les Echinocereus font l'unanimité parmi les amateurs de plantes et même pour le grand public. Leur floraison est somptueuse. Comme elle dure plusieurs jours, elle change d'un jour à l'autre. La difficulté dans ce genre, c'est d'obtenir des floraisons de certaines espèces. Ce lobivia à très grandes fleurs
peu connu a la particularité de ne pas être cespiteux, ce qui est assez rare chez les Lobivia. Ce sujet a plus de 40 ans. Peu de choses nouvelles à dire chez les astrophytomes, si ce n'est que leur floraison, qui s'étale toute la belle saison, est très intéressante, très belle. Les fleurs se succédant tous les 15 jours à 3 semaines. Les acanthocalycions ont au printemps une floraison abondante qui peut se répéter plusieurs fois dans l'année, suivant les espèces. Petites plantes fleurissant très tôt au printemps, sans problème de culture, donnent avec l'âge des touffes de 10 à 15 cm de diamètre. Les Aylostera, souvent classés avec les Rebusia ou les Mediolobivia, ce genre donne au printemps des plantes aux floraisons très colorées. Mammillaria viperina ou Mammillaria facilata, variété viperina. Ce sujet a plus de 50 ans et fleurit au printemps abondamment. Je reçois des graines de cette nouvelle espèce inconnue. Je sème. La floraison est immédiate dans l'année. Attention, cette plante est annuelle. Il faut la ressemer chaque année. Comme cette espèce nous vient de l'hémisphère sud, semez en septembre pour obtenir ses fleurs dès le mois de mai. Puis, la floraison s'amplifiera de mois en mois. Cylindropusia clavaroide pose un très gros problème pour avoir cette floraison. La plante non greffée se développe à une lenteur désespérante, pratiquement pas du tout. Donc il faut la greffer. Mais le greffage, par son développement rapide, fragilise l'espèce. Mais c'est la seule solution pour pouvoir obtenir une floraison. Les Wingardia
qui ont les espèces très proches les unes des autres, ont une floraison abondante qui peut se répéter plusieurs fois pendant l'été. Le Mammillaria duveyi, qui fleurit toute la belle saison, a la particularité d'avoir des sujets aux aiguillons centraux et d'autres sujets sans aiguillons centraux. Mammillaria centricira, qui a un nombre important de variétés, est une espèce très variable dans ses formes et dans ses fleurs. Pterocactus tuberosus originalité, les boutons de fleurs apparaissent en bout de tige. Plante à racines napiformes, mais de culture facile. Un inconvénient, les tiges au moindre choc se détachent. Cet asclépiadacée, dit Possiata ciliata, dont le nom décrit bien la floraison, cette plante a les mêmes problèmes que toutes les asclépiadacées. Les cochenilles les adorent. Quand on voit apparaître le bouton de fleur chez cet Hyllocereus purpusi, on s'attend à une floraison somptueuse et nocturne. Il n'en est rien. Nous avons là devant nous le développement maximum de la fleur. Cette floraison est exceptionnelle. J'ai attendu plus de 50 ans avant de la voir. Peu de personnes en Europe ont pu admirer la floraison de ce Macaocereus eruca.